je fais clairement partie de ces femmes ou de ces filles qui ont cherché pendant très longtemps à atteindre cette perfection, cette norme de la beauté. Mais vu que je suis toute petite et loin du corps de Victoria's Secret, c'était pas tous les jours évident. Cependant, il y a un truc qui était génial, c'est que je pouvais avoir des longs beaux cils, des longs beaux ongles et évidemment des longs beaux cheveux. La belle chevelure de Princesse Réponse, qui n'en a pas rêvé? Quand on nous inculque depuis le plus jeune âge que la femme doit avoir les cheveux longs pour être féminine, pour être belle, telle une sirène sortie de l'océan, eh bien, la réalité est tout autre. Avoir des longs beaux cheveux longs, hein, ça fait rêver. Mais clairement, c'est un combat au quotidien. C'est un combat avec différentes armes et surtout différents produits. Du coup, on y passe beaucoup de temps et on dépense beaucoup d'argent et le attente vs réalité ne vaut pas forcément toujours le coup. Du coup, on fait un petit peu comme moi, on coupe tout, on regrette un petit peu, mais on gagne du temps et on dépense beaucoup moins d'argent pour nos cheveux. Mais pour ça, bien évidemment, tout a été pensé. Pour avoir de beaux cheveux longs, hein, on a trouvé la solution et c'est le sujet principal de cette vidéo qui est donc les extensions de cheveux. À l'œil nu, impossible de le deviner, mais les cheveux de cette femme ne sont pas entièrement les siens. Cette jeune mannequin a eu recours à des extensions de cheveux et elle n'est pas la seule. Cet accessoire de beauté est devenu un véritable phénomène de mode. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de ce sujet pour répondre à la question « Savez-vous d'où viennent les cheveux que vous mettez sur votre tête et le commerce qu'il y a derrière ?» Dans cette vidéo, nous allons prendre l'avion et voyager fort fort lointain dans un pays où la religion est très présente, qui est donc l'Inde. Il y a beaucoup d'histoires sur l'Inde, de mythes, de croyances, etc. Mais personnellement, on va se concentrer sur le dieu Shiva et le Gange. Alors bien évidemment, non, hein, le Gange, hein, je vous parle pas de l'appartement d'El Pueblo, mais bien du fleuve sacré qu'il y a en Inde, qui est aussi fortement pollué. Et aussi, je vais vous présenter un petit peu le dieu Shiva, même si je sais qu'il y a différents dieux, etc. Je vais pas non plus vous en parler pendant 3 heures, si vous voulez plus d'infos, évidemment, tout est sourcé, etc. En barre d'infos. Shiva est un qui a des très très longs cheveux qui baignent dans le Gange. Shiva est aussi associé à la destruction, mais il faut savoir que dans leur religion, la destruction est normale et dans l'ordre des choses. C'est pour ça que deux fois dans leur vie, les hindouistes vont se faire raser la tête. Alors ça se fait beaucoup moins dans les nouvelles générations, mais en tout cas ça se pratiquait vraiment dans les anciennes générations. Donc pendant des cérémonies religieuses, ils se font couper les cheveux pour les donner soit à Shiva, soit à Moragam, soit à Vishnu. Et évidemment, ils le font parce que c'est censé leur apporter une bonne santé, une bonne condition de vie, de l'amour, de la richesse et tout ce qui va avec la religion. Et là, évidemment, vous vous sentez l'entourloupe venir, vous sentez cette odeur de monnaie qui vous monte dans le nez. Vous saviez que vos cheveux étaient revendus ensuite? Ah non, ça je ne le savais pas. Si mes cheveux sont vendus, ce n'est vraiment pas bien. Personne ne sait où ça partira, c'est simplement un don au temple. Parce que quoi de mieux qu'avoir de la matière première, d'avoir des cheveux de façon gratuite? Après, les temples vont vendre ces cheveux aux enchères. Donc eux, ils y vont pour donner les cheveux pour Dieu, et par derrière, les temples les revendent aux exportateurs de cheveux. Du coup, les gens qui donnent leurs cheveux, ils le font sans savoir ce qui va se passer derrière. Mais on ne peut évidemment pas leur jeter la pierre, puisqu'il faut savoir que de brûler ou de jeter les cheveux, hein, ça pollue énormément l'Inde. Et du coup, ils ont créé ce business-là qui s'appelle le Black Diamond Business, qui crée énormément d'emplois en Inde. Le but étant donc de récupérer ces cheveux, de les mettre dans des grosses bassines, de les décolorer, de les mettre tous blonds, et ensuite de les colorer en fonction des teintes de différents cheveux, de les revendre beaucoup plus cher que ce qui a été acheté au départ. Alors, ces cheveux, ils viennent d'Inde. Et c'est la meilleure qualité de cheveux qu'on puisse trouver aujourd'hui en extension, ce qui permet de donner à la cliente vraiment une qualité exceptionnelle pour ça. En plus, ces cheveux étant de très bonne qualité, ils sont revendus assez cher puisque ce sont des cheveux qui n'ont jamais été colorés et qui sont très longs. Donc ce qui est recherché, c'est vraiment des cheveux très longs et de très très bonne qualité puisque comme ça, nous pouvons les boucler, les lisser, les colorer, etc. Oui, je me suis fait avoir quand j'étais petite parce que je pensais que les extensions c'était les mêmes et j'avais du coup bouclé mes bras. Mes bras n'ont plus de cheveux. Voilà, c'était la petite anecdote nulle. Avec l'exportation d'environ 500 tonnes de cheveux par an et un chiffre d'affaires équivalent à environ 140 millions d'euros, on peut dire que l'Inde est le leader mondial du Black Diamond Business. De l'argent, de l'emploi et de la pollution moins, on peut se dire que c'est plutôt une bonne histoire pour un pays aussi pauvre que l'Inde. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Cependant, vous vous doutez que du moment où il y a de l'argent en jeu, eh bien, il y a des choses qui se font qui sont peu scrupuleuses. Il y a des femmes qui se font scalper pendant leur sommeil, il y a des femmes qui se font voler leurs cheveux, il y a des femmes qui doivent vendre leurs cheveux pour une misère juste parce qu'elles n'ont plus rien, en fait. Du coup, il y a des gangs qui font ça, etc. Enfin bref, il y a des parties très sombres à ce commerce, évidemment, comme dans tous les commerces où il y a de l'argent. Je vous parle de l'Inde parce que c'est le plus gros, mais ça se fait dans divers pays, genre l'Asie, la Russie, l'Espagne, etc. Enfin bref, il y en a beaucoup qui pratiquent ce commerce. J'ai aussi porté des extensions quand j'étais plus jeune, je m'étais jamais documentée sur le sujet, de toute façon,
Je m'en foutais complètement, hein. Pour être tout à fait sincère, dans tous les domaines, hein, les pays plus pauvres sont exploités pour nous, les pays les plus riches. Et j'ai cette petite voix qui, depuis quelques années, et notamment quelques mois, qui me dit « Mais Léa, à quel moment ton problème le plus grave dans la vie, c'est d'avoir des longs cheveux ?» Et encore une fois, ça marche pour tous les domaines. On peut pas tout savoir, évidemment, mais il faut vraiment se renseigner quand on consomme pour essayer de consommer au mieux. Parce que tout ce que vous avez, il faut savoir qu'il y a des gens qui en payent le prix derrière pour vos petits besoins à vous. Évidemment, personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là à jeter la pierre, à dire « Oui, etc. etc. » Mais il faut vraiment essayer de se renseigner pour consommer au mieux. Faut aussi se rendre compte que l'impact psychologique de ces femmes qui en sont à vendre leurs cheveux ou qui se sont fait voler leurs cheveux est énorme. Enfin, je veux dire que quand tu arrives à un stade où tu es obligé de vendre la matière qui fait de toi une femme, c'est que tu es au plus bas. C'est que t'es vraiment au plus bas et que t'as pas d'autre solution. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'entre nous, consommateurs, et la matière première, il y a tout un business qui fait qu'on se fait douiller, clairement. Et elles sont vraiment douillées là-dedans. Et l'exploitation des pays pauvres, ça se passe évidemment dans tous les domaines. J'avais vu un film qui parlait de ça, qui m'a énormément touchée, je vous le mettrai ici. C'est sur l'exploitation des pays pauvres pour les pierres, etc., etc. Enfin bref, je vous le mettrai ici parce que j'ai plus trop la ref en tête. Je l'ai vu il y a un petit moment, mais il est vraiment génial. On est conditionné à acheter toujours plus de choses qui nous servent à rien. On est vraiment conditionné depuis notre plus jeune âge à cette superficialité, à se paraître, à être beau, c'est être ci, c'est consommer, c'est faire ça, c'est porter des marques, etc., etc. Et au final, enfin, on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière. Il se passe des choses derrière. Et bien évidemment, de tout ça, on en a pas forcément besoin. Par contre, je veux vraiment conclure cette vidéo en vous disant que voilà, je ne jette la pierre à personne, à aucune youtubeuse. Parce que je sais que même dans le monde de YouTube, on vous incite à consommer plus de fringues, plus de make-up, des extensions, des ci, des ça, etc. Je jette pas la pierre parce qu'évidemment c'est compliqué de changer un monde, on peut pas changer, mais il faut vraiment savoir ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Essayez de faire au mieux. Et si vous voulez vraiment des extensions de cheveux, il existe des sites éthiques qui font attention, qui expliquent la provenance, parce qu'évidemment aucun coiffeur, aucun site d'extension vous explique que à l'autre bout du monde on s'est fait voler des cheveux, ou à l'autre bout du monde c'est pas fait de façon très correcte et que y a des gens qui se sont fait douiller. Donc je vous mettrai des petits trucs en barre d'infos si jamais vous voulez quand même commander des extensions, il y a pas de souci, hein, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ça coûte super cher, les extensions de bonne qualité, parce que voilà, n'oubliez pas que l'autre bout du monde c'est quand même une vraie personne qui a filé ses cheveux. N'oubliez pas ça quand vous achetez des extensions de cheveux. En soi, on peut pas non plus cracher dessus, parce qu'évidemment ça crée de l'emploi, ça donne des sous à des gens, ça aide des gens, etc. Enfin, comme tout, c'est compliqué d'enlever un commerce qui est déjà en place, parce que comme tout, ça crée de l'emploi. Et le problème principal, évidemment, c'est que l'argent gouverne le monde. Mais voilà, donc si vous voulez en acheter, etc., faites-le de façon bien. Et autre disclaimer, si jamais vous allez chez le coiffeur, vous voulez faire poser, faites aussi très attention, payez le prix. C'est comme tout, hein, pour les tatouages, etc., c'est pareil, mais payez le prix, parce que vous pouvez vous retrouver avec de la colle de mauvaise qualité qui va vous brûler le cuir chevelu, vous pouvez vous retrouver avec des fausses extensions, vous pouvez vous retrouver avec plein de choses dans tout loop, etc. Et aussi, pensez que les extensions sur les cheveux quotidiennement, c'est pas du tout bon, c'est vachement plus lourd. Et vous allez avoir tendance à perdre vos cheveux, parce qu'après ça fait un cercle vicieux, vous perdez vos cheveux, donc vous rajoutez des extensions, plus vous rajoutez des extensions, plus vous perdez vos cheveux, etc. Donc faites attention, c'est la petite minute maman ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'avais vraiment trop envie de vous faire cette vidéo parce que le sujet m'a passionnée, genre j'avais fait grave de recherches, j'avais vu des documentaires, etc., etc. Et je trouvais ça bien parce que personne, encore une fois, n'en parle, personne n'est au courant, j'ai l'impression que genre, ça c'est... On sait pas, on sait pas. Chacun, hein, quand je demande aux gens, vous savez d'où viennent vos extensions, ils sont toujours en mode Je trouve ça dommage qu'on se renseigne pas plus. Et je vous invite vraiment à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, de l'envoyer à vos amis et tout ça, pour essayer que le plus de personnes soient renseignées de ce qui se passe, etc. Et que voilà, on essaye de tout faire au mieux, encore une fois, pour tous les domaines, parce que bien évidemment ça marche dans les extensions de cheveux, mais ça marche dans tout. J'ai vraiment fait ce sujet avec passion, c'est un peu un nouveau sujet sur ma chaîne, puisque j'ai vraiment envie de vous faire des sujets actu, société, amour et tout ça, mais plus avec des. Plus de réflexion, on va dire que j'arrive à un âge où j'ai pris énormément de recul sur la vie, sur tout ça. Et le fait que je fais des études à côté, ça m'a aussi pas mal ouvert l'esprit sur pas mal de choses, de parler de ces choses qui sont un peu cachées, alors qu'on ne devrait pas les cacher. Et essayer surtout de vous dire que vous êtes très bien comme vous êtes, vous n'avez pas besoin d'extension de cheveux. Vous êtes vraiment des bombes. C'est pas parce que la société vous vend que les cheveux c'est la perfection, etc., que c'est vrai. Hein, la perfection, vous l'atteindrez jamais, et vous allez surtout consommer et gaspiller beaucoup d'argent pour atteindre un rêve ou un mythe qui est clairement faisable chez très peu de femmes. Parce que la norme ou la perfection qu'on vous vend, hein, y a peu de gens qui y ressemblent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aimez-vous, soyez heureux, et n'hésitez pas, voilà, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, pourquoi pas, si ça vous plaît, mais surtout sur Instagram, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like, un petit commentaire, et à me soutenir en regardant des petites vidéos sur Utip. Voilà, c'est tout.